Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Tout le monde, j'espère que tu vas bien, je vous vois et je te tutoie en même temps. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous sur Dead Island 2. Nous sommes actuellement à Venice Beach. Ouais, vous savez, on est à LA, toi-même tu sais. On a traversé les égouts, c'était dégueulasse. On se dirige vers Santa Monica. On a reçu un appel en fait d'Emma qui nous dit oh, reviens à la maison s'il te plaît, on veut être pote avec toi. Et j'ai eu des missions avec ces trois lascars là qui m'ont demandé de tuer leurs potes qui sont devenus des zombies. Actuellement, dire à Alex... Oh, il faut que je leur dise la mauvaise nouvelle, j'ai pas dit la mauvaise nouvelle encore. Alex, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. C'est fini. Both of them? Yep. Was it, you know, respectful? Oh. Oh, well, okay, so, how you saw me fight before? That was like my, standard style. But for cases like these, friends, family, that kind of thing, I have a much more, dignified technique. They went, you know, peacefully, really. Tell them not to skip leg day. Every time. Ne pas négliger le jour des jambes. I bet they could use your smarts at the Sterling Hotel. Why don't you guys come with? Barbed wire, death pits, thousands of zombies? Nuh-uh. Maybe some other survivors come past and we can help them out. Kai's pop-up store may get payoff. No. Le jour des jambes, en fait, c'est important, les gars. Get into ça permet de fuir les zombies. On the beach. Take a quarantine corridor to the lifeguard tower, then follow the signs to the green zone. Ok. Doesn't sound too hard. Il faut passer par la zone militaire. Thanks, Alex. Merci beaucoup. Corps à corps rare. Oh, j'ai monté de level, je suis level 15. J'ai eu quoi? J'ai eu... deux cartes. Tu ne serais pas un peu fétichiste? Mutiler un zombie rend de la santé. Achevez-les. Attaquer un zombie en bas de santé donne un bonus mineur de dégâts. Bon bah allez, on va rendre de la santé en tuant des zombies, ça peut être sympa quand même. Alors j'ai une quête secondaire qui est juste ici. Hi, this is Amy. You doing okay? Oh shit, is this the wrong channel? Damn it. I'm trying to contact a friend. I got a talent for this. Bet I could find him. I doubt it. He's somewhere over here in Monarch Studios. And trust me, you do not want to come here. Monarch Studios? Y a un robot? I've been there before. I can handle it. I think you're crazy, but I'll take any help I can get. I'm searching at a gas station set. One with a giant spider. Mais non, il me ressemble pas. Qu'est-ce que tu racontes, toi? La description des cartes, c'est drôle, ouais. Il y a des D09, je crois que c'est un R2-D2, tu vois. Alors, donc du coup, on peut retourner à Monarch Studio rapidement pour un petit, une petite mission secondaire. Alors, si quelqu'un trouve la carte, laissez-moi savoir. Ah d'accord, donc du coup, la carte est quelque part. Elle est cachée quelque part, donc on peut la trouver. Il y a sûrement quelque chose de bien derrière. Monarch Studio. Oh, c'est ça la voie... La carte de voyage rapide. Oh... On voyage rapide, les gens! On voyage rapide? Ah, purée, ça fait plaisir du voyage rapide! Il y a quelqu'un qui avait dit ça manque de voyage rapide dans ce jeu, et finalement, il y en a. Hein. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il y en a une autre pour revenir? Oh, peut-être là! Oh oui, regardez! La carte de voyage rapide, il y en a partout! Bon, il faut que je retraverse toute la map pour retrouver. La quête secondaire. Alors du coup, je vais me mettre avec la quête secondaire, du coup. Ça venait de Monarch Studio. Bon, on va voir. Hein. On repasse par l'araignée. Hey, are you... Survivant? Yes, I am Sarah Shepard. Yes, I am wearing my Space Fox outfit, and yes, this is a bad time. Ah, mais attends, okay. C'est elle qui m'a appelé à l'aide, hein. I was gonna say, are you the lady from the radio, but never mind. Oh my god. Ok. C'était un peu menaçant ce qui se passait là.
Be careful. Ouais, j'ai vu. Il y a vraiment beaucoup de zombies, hein. Allez, encore. Qu'est-ce qu'il crie comme ça, là? Oh, bordel! Eh ben, il est mort. Ouh. Allez, encore! Pas l'impression que le fusil à pompe fait plus de dégâts que le premier fusil à pompe. C'est bon? Had your face on the lunchbox. That's crazy. Yeah. Never expected you to actually show up. J'aime bien les quêtes secondaires en fait dans le jeu, c'est pas mal, hein. DD09. Sure am. It's us against them now. He's a skinny kid, no fighter, but he's tricky, creative. It's how he's made it this far. Problem is I can't reach him on the radio and his stupid DD toy keeps drawing in the zombies. Or DD? What's a DD? DD09, Space Fox's nav droid and baby robot merchandise milker. Can't stand the thing. Sebastian loved it enough that he made a replica for conventions. I have no damn clue how to shut it up. If he doesn't get back and do something about it soon, our safe zone will be overrun. Oh, il est triste. Tell you what. If I take D-squared here to Sebastian, he can fix it on the spot. You can clearly take care of yourself. Fine, you take DD. A plus, Auria, merci beaucoup. Bonne route à toi, la bise. Ok. Alors, prenez bébé, explorez le plateau de tournage 3 en quête de Sébastien. Ok. On va devoir retraverser tout le truc. Oh, yo. Eh, par contre, c'est cool, j'ai récupéré des fusibles. Donc, je vais pouvoir en récupérer. Le truc, c'est que quand j'étais passé la dernière fois, j'étais pas très fort. J'avais pas d'armes. Là, maintenant, je suis un peu plus fort, mais ça change rien. Mes armes font pas de dégâts, je trouve. Oh, flûte. Ah, il y en avait deux, j'avais pas vu. Il y en avait trois en fait. Épée zombie. Oh my god. Une épée zombie 266. Elle est trop bien. Elle est trop belle. Bon là, elle fait quand même plus de dégâts mon épée à moi. Mais je vais mettre à la place de ça. À la place du manche-pioche. Regarde ça, elle est belle, hein. Elle est rapide en plus. Allez, on y va. Trop bien. Bon, DD09, là, il va attirer plein de trucs. Donc, ça va pas être chouette. Oh, j'ai un autre... Aïe. Je sais pas si j'ai encore du fusible avec moi, mais j'ai un autre truc de fusible. Attends, je vais laisser là, moi. On reste là 2 secondes. Je cours plus vite sans toi. On prend le loot, les amis. Bonjour. Épée tactique. Oh là là, on récupère que les épées ici. À quoi elle ressemble? Ah, je préfère l'épée zombie, elle est plus jolie. Elle était où, bébé 08?
Oh non. Oh non. Je crois que j'ai perdu bébé. J'ai perdu bébé 08. Bon, faut pas s'éloigner trop, on va dire. Ok, d'accord. J'ai pas le droit de m'éloigner trop du sac. Parce que sinon il repop devant l'autre personnage. Donc faut que je le garde constamment avec moi. Si je m'éloigne un peu trop, il disparaît. D'accord. Ouais, mais alors, t'imagines en fait? T'imagines? Help Didi deactivate. Didi turn off. Ames, fight. Oh my god! I'm signing Sebastian here. All right, come on. Moi, je prends tout le loot, hein. Ah! Oh, franchement. En fait, c'est la pire mission ever, hein. C'est mission d'escorte en mettant... En même temps, tu te fais attirer, t'attires toutes les bestioles du monde. Ouais, par là, je suppose. Oh mon dieu. Il est comme ça, il est en mode... C'est horrible. Je joue puissance 3 heures. Ça veut dire quoi, que je joue depuis 3 heures? C'est pas ce que je voulais faire à la base. Je crois que je vais attirer pas mal de gens là en faisant comme ça. Il y en a un qui brûle. On récupère le loot quand même, ça fait toujours plaisir. Ce Ross en mode Rocky. J'ai un Rocky moi? Oh merde! Il est pas mort? Plus de munitions. Ouais, bah super. Alors du coup, ce sera forcément l'épée à zombie. Hein. Voilà. Un petit marteau. Bon alors, il est où le monsieur là? Ah tout. Didi, you okay in there? Hey, can you hear me? Ah, Sébastien est là. Hey. Body snatcher? That must be Sebastian. Let's go, Didi. Hey. Nine acting like this. Ah, je sais pas moi. Check on it, but not until those body snatchers are dealt with. What? De quoi il parle? Oh my god! J'espère que Didi va pas exploser à cause de ça. Ok, là, quand j'adore cette arme. Elle est géniale!
Elle est stun. Oh là là. Oh là là. Didi, stop. Arrête de faire du bruit. Ça me fait drone de la vie à chaque fois que je tape. Bon, j'ai peut-être à un moment donné, peut-être avant. Boum! Wouh! Bordel. Oh my god! Oh le bordel! Et sachez que depuis tout à l'heure je joue comme ça là, et le jeu ne ralentit pas hein. En tout cas pour moi non hein. Je sais pas s'il ralentit sur le live. Ah ouais? Ouais, j'arrive! Ah ok, d'accord, je dois mettre Didi là. Là. Voilà! Vous avez vu le bordel que c'est là? Résistant, ouais. Safe at the fuel station. She let me borrow it. To save your butt, Amy. So the captain sent you? But I'm fine. I'm just scavenging for tools and parts. Nothing to worry about. Well, nothing except your dumb toy here won't stop beeping. It's attracting every body snatcher to your base, dude. If I was any slower, Sarah and Didi would be zombie chow. Yeah. Oh, jeez. I really screwed up. On dirait la voix de Morty un peu. My dumb robot nearly got Miss Shepard killed. Oh jeez. Don't show my face around her no more. She's gonna hate me. All right, chill. She's not even mad at you. She just wants to know you're okay. Get Dee Dee to shut up and head back. You're right. I'll fix DD09 up and return to camp. Voilà, très bien. Please, take something for helping Captain Vixen today. Consider it your spoils of war. Yeah. Star of Volpine guide you. Ok, les gars sont un peu tarés on va dire, mais bon. Ouais. Bagarre de rue. Nouvelle aptitude. Alors, c'est quoi? Hop. Cri de ralliement. Si je crie, je veux. Je crie si je veux. Cri de guerre rend la santé et supprime les effets d'état nuisible de vous et coéquipiers proches. Oh! Ça, c'est cool, en vrai. En vrai, je devrais peut-être mettre cri de guerre plutôt. Parce que j'ai toujours le cri sur moi. C'est-à-dire que si je suis en feu ou si je suis électrocuté, je crie et c'est bon. C'est ça, mon cadeau? Ça venait des monarques. Ouais. Bon, quête terminée, les amis. Bon, ça va, c'est fini. Le même doublé ressemble vraiment beaucoup à la bonne Morty. Ouais, je trouve aussi. Alors. Du coup. Je crois qu'il n'y a qu'un seul moyen de revenir en arrière. Mais je suis très proche en fait de là. Donc je vais aller. Hey Sarah. Sebastian, safe and sound. Je vais aller chercher quand même le. Le. Comment la glacière. Je cherchais la glacière parce que je l'ai, ça fait depuis déjà, wow, combien de temps on a dit qu'on va prendre la glacière, je sais pas. Au moins, il y a au moins 5 heures de ça qu'on a dit qu'on va prendre cette glacière. J'ai la clé, je suis à côté, je vais profiter de la prendre. J'adore les... Aïe! Un peu trop rapide à mon goût ce zombie. Matraque de... Pardon? Bon, je vais sortir par là en fait. Et il y aura peut-être un voyage rapide dans la map. Je crois que si je sors par là, j'arrive à Bel Air. Hein, il me semble. Ou à l'hôtel. Quoi qu'il arrive, que ce soit l'hôtel. Attends, c'est par là.
Ouais, c'est là. Beverly Hills, ouais. Si je vais à, que ce soit à Beverly Hills ou c'est à l'hôtel, etc., j'ai des quêtes de toute façon de ces endroits-là. Beverly Hills, non, c'est à Bel Air que je dois aller pour la piscine. Beverly, je sais plus ce que j'avais. Chris04, merci à toi pour ton raid, c'est très gentil. Bienvenue à toi, merci beaucoup. Je suis le seul à trouver ce jeu moyen. Bah, moi, j'aime bien, moi. Non, t'es pas le seul. On a tous des avis différents, etc., tu vois. Donc, non, non, t'es pas le seul. Il y a pas mal de monde que j'ai vu, d'ailleurs, sur ma vidéo, qui était en mode, ils aiment pas le jeu, tu vois. Mais moi, j'aime bien. Qu'est-ce que tu trouves moyen sur le jeu? Qu'est-ce que t'aimes pas, en fait? Salut Esteban! Alors, je suis à Beverly Hills. Donc, elle est établie là. J'ai un fusible ici. Ouais, alors, quand, si je veux en fait retourner là, il faut que j'aille dans la maison en. Ah, il y a une quête secondaire disponible aussi là-bas, d'accord. Alors, je vais... Ah, il y a une quête secondaire disponible aussi de l'autre côté. Ah, il y a plein de quêtes secondaires disponibles un peu partout. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais aller vers la gauche pour récupérer ce fusible-là. Comme ça, je peux aller directement vers l'endroit de quête. Je trouve linéaire et redondant. Alors, linéaire, oui. Mais à vrai dire, tous les jeux sont linéaires. À part les jeux open world, hein, bien évidemment. Mais je veux dire, par exemple, t'as God of War, qui est un jeu aussi très linéaire en soi. Et pourtant, ça n'empêche pas que ce soit un très bon jeu. Enfin, en tout cas, à mon sens. Hein. Moi, je trouve pas qu'un jeu qui... Je trouve pas que linéaire soit un défaut sur la plupart des jeux. Redondant, par contre, je suis d'accord avec toi. Si tu n'apprécies pas, on va dire, la boucle de gameplay, effectivement, au bout d'un moment, tu peux peut-être trouver que le jeu se répète un peu. On fait toujours la même chose. Tu tapes les zombies et basta. Tu tapes les zombies et tu avances. Tu tapes les zombies, tu avances. Oui, effectivement, ça peut être un peu redondant. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Pour moi, la linéarité n'est pas un défaut. Moi, je suis plus... je t'avouerai que je suis plus fan des... J'ai eu trop de jeux open world de ces derniers temps. Et un petit jeu... Oh mon dieu. Et un petit jeu linéaire entre guillemets, pourquoi pas quoi. Oh, c'est une arme mauve. Oh. Ok. Mais donc les zombies qui sont là, ils vont pas se réveiller parce que j'ai pas fait le bou... Ok. Comme j'ai pas libéré le... J'ai pas fait le... Salut. Ah. C'est ça. Ok. Aïe. Ok, j'aime beaucoup cette arme. J'aime vraiment beaucoup cette arme, elle est cool. Je valide. Je valide trois fois. Elle est géniale. Bon, faut que j'aille à droite. La durabilité est ouais. La durabilité part très très vite, du coup, ouais, l'arme peut pas être utile à 100%, on va dire, dès que tu tues quelques ennemis et c'est fini, en fait. Le jeu ressemble à Dying Light. Oui, normal, parce que Dead Island a été inventé par les créateurs de Dying Light. Mieux encore, Dying Light a été inventé suite au fait que les développeurs de Dead Island ont perdu la licence et du coup, ils ont fait Dying Light à la place.
C'est rigolo le nombre de gens qui connaissent pas l'histoire du jeu vidéo. Où est-ce que je suis? Celle des laboratoires? What the fuck? Ouais. Où est-ce que je suis? Ah, je suis là. Ok. Oh my god! Y'a la deuxième! Est-ce que je le touche ou bien je touche la porte en fait depuis tout à l'heure? Aïe. En fait, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait rigoler parce que c'est un petit peu comme quand je jouais à Elden Ring et les gens ils font ouais, mais ça ressemble vachement à Dark Souls. Oui, mais c'est normal parce que c'est un développeur. Aïe. Oh my god. Cours, 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 cours. Mais... Salut. Aïe. Bon, c'est par là. Day and Night sans le parcours, ouais, c'est ça. Je trouve quand même... Alors, ça c'est mon avis personnel, hein, bien évidemment. Hein. À chaque fois, hein, je suis subjectif, hein, je suis jamais objectif sur mes vidéos parce que finalement, je ne peux pas l'être en fait. Sinon. Je suis pas journaliste, hein, je m'en bats les couilles. Ce que je veux dire, c'est que oh, attends, c'est là. Okay, how about you, zombies? Ça a pas l'air ouf. 322, j'ai rien dit en fait, elle est ouf. Elle est ouf, et l'avoir dès le début du jeu était génial aussi. Ce que j'allais dire, je sais plus. Attends, est-ce que je peux... Ouais, je peux réparer ça. Alors ça, on va la remplacer avec... Je sais pas avec quoi je vais la remplacer. Attends. Du coup, lui, je vais faire ça. Il n'y a rien dessus. Donc, du coup, on peut mettre pas mal de choses. Comme, par exemple, augmenter les dégâts des coups critiques. Ici, ce serait... Waouh, mettre à terre déclenche une puissante explosion à l'impact. Damn. Pour ça, il me faut de l'adhésif. Augmente la force. Dégâts aux membres et durabilité. On va garder ça. Ici, on peut mettre feu plus plus. Voilà, plus de pas mal. On va voir la deuxième quête qu'il y a là ici. Plus tu avances sur le jeu, plus il y a du gaz sur la map. Il y a des chances, ouais. Effectivement. Huh. Oh hey, you got me the tapes, didn't you? I did, didn't I? Hey, thanks to you, I'm on my way back up, man. Those samples and old ideas are gonna be part of a new album, man. Big themes, big riffs, sex, death, undeath, badass lyrics. Well, I'm a little out of practice with lyrics, I'm not gonna lie. Mm-hmm. You don't say. Screaming fans, screaming guitars. Oh, hey, I gotta go to my place and get Chopper. The apocalypse needs a soundtrack, man, and Ricky Rex is gonna ride with the horsemen. Oh, no. No, no, you can't go out there. I'll have to get it. Oh, yeah? Oh, killer. Because I got this song brewing, and I gotta keep hold of it. Oh, you need to find Misha. Chopper's okay. Locked away upstairs at my place. You gotta be careful. Because this one time, when we didn't lock up, when the party finished, the whole upstairs was like empty. The
totally cleaned out. Mm-hmm. So yeah, Misha, she had the key. All right. On va retrouver Misha alors. Best go around the back through the kitchen. Oh, and if the band are there and, you know, milking their encore, could you send them up to the big gig in the sky? Sure. Respectful send-offs are a speciality of mine. Alors, le truc, c'est qu'ils n'ont pas retiré des fonctions par rapport à Dying Light. Il faut savoir que Dying Light a été développé... Bon, je vais recommencer l'histoire comme ça et je raconte qu'une seule fois parce qu'après, j'en ai marre. Dying Light, Dead Island a été inventé par Techland. Techland a fait ce jeu-là pour 2K. 2K avait la licence du coup de Dead Island. Ils ont réalisé le jeu Dead Island 1 et ensuite, il me semble que Riptide n'a pas été fait par Techland. Riptide a été fait par quelqu'un d'autre. Pendant que Riptide était sorti, Techland travaillait sur Dead Island 2. Sauf que ils ont perdu la licence au bout d'un moment. 2K a dit non, c'est bon, on s'en bat les couilles, faites pas ça. Entre temps, je crois qu'en plus que 2K a vendu la licence ou a fermé. Une connerie comme ça, il y a un délire comme quoi il y a un moment donné un studio a fermé, je ne sais plus lequel. Techland, du coup, avait travaillé de ouf en fait sur Dead Island 2 et ils ne voulaient pas perdre tout ce travail et ils ont décidé de faire leur propre jeu qu'ils ont appelé Dying Light. Du coup, Dying Light est quelque part Dead Island 2. D'il y a très longtemps, ok ? Entre temps, la licence Dead Island a toujours existé, les gens étaient fans du jeu, voulaient voir la suite. Du coup, la licence a été rachetée par Playon qui a décidé donc de développer la suite. Du coup, je sais plus c'est qui est le studio qui a fait celui-là. Dead Island se base donc sur le premier Dead Island. C'est pour ça que ça ressemble à Dying Light. Mais ça ne peut pas être Dying Light. Parce que c'est pas les mêmes devs. Voilà, pour le 2. Bref. Et du coup, ils n'ont pas retiré des trucs. Ça a été fait, c'est la suite du 1, tout simplement. Voilà, il faut pas aller plus loin les gens. J'adore tes explications. Je suis pas sûr d'avoir été très clair en plus. Je crois que j'ai... Alors lui, il veut que j'aille chez lui. C'est où, c'est chez lui? Ah, il y a un truc là aussi. Oh fuck. Bon allez, on va aller voir, je suis là. Hein. Tant que je suis là, hein, vous savez. C'est la maison rouge. Maison toit rouge. Maison toit rouge. Si je suis la route, c'est bien. Juste suivre la route en fait, pas besoin d'essayer d'aller à droite à gauche. Hein. Bonjour les zombies! On peut passer par là? Ah oui. Du coup, je suis descendu au lieu de monter! Ah mon dieu, c'est Seros! Maison toit rouge là-bas. Comment j'ai pu me tromper de sens en vrai? Incroyable ça. Genre j'ai aucun sens de l'orientation, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans la réalité. Bon appétit Flavien, merci beaucoup. Elle est petite la map, il y a plusieurs maps en fait, Skybox. Salut Bouine. Caro qui dit oui. Oui pourquoi? Ah parce que j'ai un... Non. Voilà, oui, parce que j'ai un mauvais sens de l'orientation. Ok, d'accord. Merci, chérie, je t'aime. D'accord, comment rentrer là-dedans? Ah, flûte, on peut pas rentrer par là. Ah, par contre... Épée de fortune. Ça fait pas mal de choses à vendre. En fait, je vais vendre des trucs au lieu de les recycler. Comment j'ouvre ça, moi? Il y a un cadenas, là. La maison, elle est rouge parce qu'il y a du sang dessus? Ou parce qu'il y a de la peinture? J'ai du mal à comprendre. Excusez-moi, les zombies. Je vais voir si je peux faire le tour. Il y a une alarme en tout cas qui sonne. Peut-être que je peux passer par là en vrai. Mais non, je peux pas. Mais non. Attends. Il y a une quête là. Dans le garage.
et je ne peux pas y accéder. Est-ce qu'il y a un passage secret ? Je peux pas monter là, on est d'accord ? Non, je peux pas monter là. Hein. C'est pas Zelda, hein. Combien de maps il y a sur Dead Island ? Alors, tu as... Actuellement, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 maps pour l'instant. Et il doit rester 1, 2, 3, 4. Il y en a 10, une dizaine à peu près. Elles sont plus ou moins grandes. Il y a des maps, par exemple Venice Beach, etc. C'est plutôt grand. Cette map-là, ça va. En vrai, c'est pas si petit que ça. Hein. De partir de la Maison Rouge jusqu'en bas, ça prend un petit moment, en fait, quand même. Moins de 5 minutes, si tu veux, en courant tout droit. Mais comme il y a beaucoup de zombies et beaucoup de zigzags à faire, ça va, en vrai. C'est des petites zones, mais en fait, tu peux les visiter. Il y a pas mal de choses à récupérer dedans. Et il y a pas mal de petits secrets, etc. De zombies à découvrir, d'easter eggs, etc. Donc du coup, c'est cool. Alors, moi, je veux juste savoir comment faire pour rentrer dans cette maison. La seule porte, c'est celle-là. Ah, attendez. Peut-être que je peux y accéder en montant sur la voiture en feu. Non, ça marche pas. C'est pas Dying Light. Justement. Ben ouais, merde quoi. Parce que pour le coup, là, la porte est fermée avec un cadenas. Donc là, je peux pas. Et peut-être plus tard en fait. Hein. Là, c'est fermé. Peut-être que ce sera ouvert pour une quête plus tard, je suppose. Oh non, laisse-moi tranquille, toi. Donc je vais juste retourner ici et faire la quête. C'est quoi ? Elle est où la quête ? La balade de Ricky. Bah, c'est là, c'est en bas en fait. C'est là-bas. En fait, je dis en bas, mais c'est en haut. Monte sur les lampes. Tu crois? Ok. Je pense pas qu'on puisse monter sur les lampes. J'ai essayé au moins. Non, non, on peut pas. Il y a sûrement un truc à faire, je ne sais pas quoi. Ah, peut-être, attendez. Dernière solution. Ok, bye. Du coup, c'est tout. Je suis la route, cette route-là. Je suis bien dessus. Ok, c'est bon. Je suis cette route-là. Non, on peut pas sauter le portail. Il y a des chiens qui aboient. Mais c'est dans le jeu. Non, c'est pas dans le jeu. Alors, s'il y a du spam, vous pouvez ban, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. N'inquiétez pas. Allez, coup d'épée dans ta face. Oh my god. J'ai plus d'espace dans mon inventaire. C'est mort, mon inventaire il est plein. Donc les super armes et tout ça va rester par terre. Alors, ouais, c'est par là. J'ai tellement besoin d'un coffre. Ils ont mangé un gars devant moi. J'ai pas eu le temps de le sauver.
Oh putain, j'adore quand je rate plusieurs fois de suite. Alors que le mec est juste devant moi, tu vois. Il bouge pas, c'est un zombie, tu vois. Mais j'arrive à rater. He really did just party all the time. Je suis déjà venu ici, moi, non? Immunisé? Faut que je trouve Misha. I bet they could hear Ricky's parties in Japan. Alors, Fauchel est à l'étage. Ricky a dit de passer par la cuisine. Parce que là, vous voyez en fait. Là. Oh non! Immunisé, merde. Faut que je fasse attention. Hein. Joue de la musique pour attirer Misha et un membre du groupe de Ricky. Ok. Ok, faut que je fasse de la musique là-bas. Allez, à plus, Wemiko, merci d'être passé. Je passe devant mon écran et je vois qu'il y a pas mal de Théo. J'en reste ici à surveiller. Oh merde. Modo is on. Encore un soutif, j'adore. Come on, zombies. Party time. Let's go. One of the band. Le bassiste. Oh non. Alors attendez, je vais mettre le cocktail Molotov. Allez. Allez. Ah bah non. J'ai testé un peu le shuriken, j'utilise jamais en vrai. Ah merde, il y a un cooldown aussi pour le shuriken. Alors combien de temps je vais devoir me tuer à battre contre tout le monde là? Vite! Non! Oh my god! Ça tue tout le monde! Ah, c'est lui le batteur? Ok, d'accord, j'ai rien dit. Plus rien.
On va se mettre ici. Madame. Oh my god. Bordel. I need your key. Je crois que c'est Misha. C'est le bordel en fait, hein. Vous êtes sérieux? Je passe mon temps à couper les jambes. Plus de balles. C'est parti. Allez! Oh bordel, attends. C'est une mission secondaire. Je la trouve plus difficile que les autres missions, quoi. On est un peu dans la merde, hein. Oh merde. Oh merde. Attendez, j'ai une autre idée. Ok, les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut discuter deux secondes? Voilà, vous restez là, allez dans, dans l'eau de caca là, voilà, c'est bien. Allez tous, mangez tout ça, voilà. 3 x 4! J'ai plus de balles. Upstairs to find chopper. Bah purée de pommes de terre. Regardez-moi ça, le loot là. Oh là 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 là, marteau de mécanicien. Non mais c'est bon. Panique à bord. Il est nul le pompe. En fait, il est. Il fait pas beaucoup de dégâts, mais il tire plein de balles dans tous les sens et à une grosse vitesse, tu vois. Je peux spammer un peu. Pour le crowd control, c'est plutôt pas mal. Mais dès que j'ai l'occasion, je pense que je vais upgrade hein, quand même. Balle. Okay. Where is Ricky's chopper?
Là-dedans, peut-être. Ok. On va voir ça, là. Ça fait un moment que je suis pas passé par ici. Salut, Fluffy! Ça fait plaisir! Donc, Rikis. Flûte! Attends, je suis venu ici pour rien? Ah, je suis passé par l'extérieur. On entend le bruit d'un zombie lointain. J'ai préféré couper court à toute discussion. Waouh! Ça, c'est une jarre! C'était une jarre de. Comment dire? De substance. De substance naturelle. Ça a l'air plutôt sympa ici. You must be Chopper. Ah, Chopper, c'est une guitare. Oh là là. Oh, flûte. Oh, on va partir d'ici, c'est bon. J'ai plus assez de balles pour tout ça, là. La quête est terminée, les amis. Il y a encore un coffre, mais j'ai pas trouvé la clé, donc du coup, on va pas insister. I just killed gods and whiskey. Ouais, elle a tué tout le groupe. Voilà. Alors, tu peux mettre le FOV à 120 STP. On peut pas. Il a 100 maximum en fait. C'est 100 au maximum. Plus de balles, il faudra que je fasse. Je sais pas si je peux en acheter ou crafter un. Allez, tiens, je te rends ton truc, toi. Oh, you got Chopper! Killer! This is it, New Dawn! Oh, did you. Were the band. Don't worry. I gave him one last party. That's. They would have wanted that. I'm gonna write them a song for the new album. Slam to the slaughter. You're making a new album? Yeah. Check this out. One man and one woman and her pain in the ass daughter on a quest through the apocalypse to put a band together playing music so spine-shakingly epic the zombies' heads literally explode. I'd buy that album. Just do yourself a favor and make Jesse the tour manager. Yeah, j'avoue. You might just stay alive. Yeah. Yeah, that works. Another new start. Hey, you really helped me out. Oh, I got this big sword I used on the Knights of the Sound Fable tour. You want it? Ouais, vas-y, donne. J'ai plus de place dans mon inventaire, mais donne. They said this old skull. Non! That's what the tabloids said. Non! Oh my god! Not our fans. No. Our fans believed in us. And non. That's who this album is for. Bon. I thought it was for Jesse. What? Attends, ça, je vais le casser lui. Yeah, and Jesse, she counts as a fan, right? Oui, oui, elle compte, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oh! Où est-ce que je clique pour faire ça? Ah là! Ok, j'allais dire, je clique où en fait et ça fait ça là, n'importe quoi.
Alors, Venice Beach, c'est la quête principale. Bel Air. Les immenses demeures de Bel Air. Donc, du coup, Bel Air, c'est bon. Attends, quelle quête j'ai à faire en vrai? Les ravages du Caustix. Ah, retourner à l'hôtel, ouais. Avant de retourner à l'hôtel, je veux. On va aller revoir Emma, je suppose, non? On a des quêtes là-bas? Il y a encore une quête disponible là. Où est-ce que où je suis là actuellement? Attends, il y a encore une quête disponible? Mais je la vois pas. Ah si, c'est cette quête là où j'arrive pas à rentrer dedans, oui, c'est bon. Alors, bon, du coup, l'autre quête, c'est à l'hôtel Arpin. On va aller à Bel Air, un coup. On va aller à Bel Air. Night, day. Oh non, day. Oh, on peut choisir. J'avais pas vu qu'on pouvait choisir le jour ou la nuit. Prends-le dans les objets à pas récupérer. Tu veux dire que je peux laisser les objets par terre et ça les et je les récupère quand même plus tard? Ça, c'est cool, ça, par contre. You must be exhausted. Come rest, those devils. Ouais, je suis fatigué, ouais. Pas parce que c'est votre faute et tout, hein, mais bon, presque quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que, quelle arme je vais garder? Je vais garder le nouveau katana qu'il m'a donné parce qu'il a l'air sympa. La fourche, je la garde parce qu'elle est rigolote. L'épée d'officier d'électrocution, j'ai pris tellement de temps à l'avoir, je vais la garder aussi. Mais bon, garder un katana... Attends, je vais peut-être foutre ça là-bas, en fait. Le katana, ça là-dedans. Le... ça là-dedans. Ça là-dedans. Ok, ça je garde au cas où en fait, ça peut servir plus tard un jour, vous savez. Voilà. Oh, quoi que j'ai, je vais garder en vrai. Je vais garder celui-là et je vais mettre la fourche dans le placard. Bon, par contre le tiroir il est limite hein. Le tiroir il est limite hein. Donc ça peut être compliqué. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je mets tout dans le placard? Mais non, je suis bête. Voilà, attendez. Là, 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 voilà. Mais non, pas dans le placard, on va vendre, voyons. Voilà, on va vendre. Attends, t'es sérieux, toi? Alors, machine d'électrocution, non. L'épée tactique, oui. La hache de crémation, non. Le démon pneu, oui. Le... non. Le couperet, oui. Le, la perche à... oui. Le petit couteau de Bowie, non. Le couteau en bois de serre, non plus, il est cool. La batte de baseball, ouais. Et bah voilà. On va remettre le reste. Ouais, je vais pas... En fait, finalement, je vais pas vendre mes couteaux. Parce qu'ils sont beaux, les couteaux. Voilà. Bah voilà. Et en fait, on retourne ici. Et je peux... normalement... faire dégâts augmentés. Voilà. Ça, c'est mon fusil. Apparemment, j'ai amélioré un truc au maximum. Qu'est-ce qu'il vend, lui? Il vend un petit fusil à pompe. Est-ce que le petit fusil à pompe est mieux? Dégâts 946. Comment je sais? Attends. Fusil à pompe. 760. Oh, bah oui. Oh, bah oui. Valider l'échange. Et on va lui vendre le fusil à pompe d'assaut, là. Parce que finalement, il est pas très... pas exceptionnel. Hein. Alors, on va s'acheter des munitions. Enfin, des... balles de pistolet, voilà. On va s'acheter des munitions de pompe. Et des fusibles. Voilà. Et... des balles puissantes. Comment ça coûte ça? Ça va. C'est pas très cher. Et des clous! Please! Voilà. Eh ben dis donc! Voilà, ça flirte en fait! Je pensais qu'elle voulait pas flirter avec lui et finalement. Finalement si. Alors il y a une quête en bas apparemment. Merde, comment j'y sens? Je crois que je suis revenu trop tôt ici. Non, elle est là, la quête. Hein. Elle est en bas. Alors, il y a quoi ici? Il n'y a rien d'autre à part cette quête secondaire qui est en bas, là. Donc,
Je vais aller la chercher. On va descendre par là. Ah, c'est avec lui, Curtis. Forcément. Bah, je peux pas les comparer, mais je peux regarder combien elles valent en fait, en final. Just a pity that the tasteful Miss John left the stocking of the liquor cabinet to her tasteless hound of a husband. Alors, je suis jamais tombé sur une horde de 30 zombies, mais je suis tombé déjà sur des zombies, j'étais genre une quinzaine, c'était déjà beaucoup, je trouve. En tout cas, s'il y en a, je suis pas encore tombé dessus. Hein. If only some kind soul would help an old man out, I could raise everyone's spirits. Well, much as I hate to spoil your party, I think you'll just have to stick to the moonshine for now. Get me those drinks, and I swear to you, I'll make it worth your time. Les quêtes secondaires, en fait, c'est souvent du « va chercher du, va chercher ma guitare et va chercher mon alcool hein. ». Elles sont pas exceptionnelles. Persuasive, aren't you? Oh, fine, it won't take me long. Mais ça me donne des objets, en fait. Ça me donne des nouvelles armes, etc., qui sont sympas. Donc, du coup, ça vaut quand même le coup de le faire pour le loot, mais pas pour la mission en elle-même, tu vois. Alors, donc je vais voir c'est quoi sa fameuse mission. Alors lui, récupérer le fusil à pompe, qui donc du coup fait presque 1000 de dégâts. Ça peut être sympa en fait. Surtout qu'on peut encore l'améliorer en vrai. Ouais, j'ai pas réparé mes trucs. Faut que je retourne à l'établi. Ce que j'ai fait, j'ai vendu des trucs, etc. Mais j'ai pas réparé. Voilà l'épée, la hache. C'est pourquoi je suis avec deux épées. Une épée acide et une épée électrique et une hache de feu. En vrai ça va, j'ai quasiment tous les éléments en fait. Donc ça peut être plutôt sympa. Bon du coup lui il veut que je récupère des trucs dans sa maison. C'est un peu loin, je m'en bats un peu les couilles. Je vais aller à l'hôtel. Je vais aller à l'hôtel. Voir un petit coup c'est quoi cette quête. Parce qu'on dirait que c'est un nouveau perso qu'on va rencontrer. Et après cette quête là, on retournera faire la principale. Parce que pourquoi pas. Le gameplay fait penser à Sunset Overdrive. Alors Sunset Overdrive c'est quand même assez what the fuck hein, par rapport à ce jeu hein. Ah je suis littéralement dans l'hôtel directement. Ça c'est du TP ça. Ça c'est du TP qu'on aime. Le nombre de coffres forts qu'il y a ici c'est incroyable. Alors du coup elle est où cette quête. Soif de confort. Wait, non. Chercher un certain Rav dans le Halperin. Ok. Et... je cherche... où? Je cherche de façon random dans le Halperin. Ah. Le ballroom? Ok, c'est en bas. Ouais, en fait, j'ai une épée. Selon ce que tu mets comme compétence dessus, on peut taper plus ou moins vite, en fait. Je peux comprendre les gens qui trouvent que c'est un peu lent, mais en fait, ça dépend des armes. C'est vraiment un système de compétences. Avec cette épée-là, avec l'attaque plume qui accélère les attaques, du coup, le truc devient dynamique, au final. Donc, ça dépend vraiment, en fait, de ce que tu utilises en tant qu'arme. Vous avez vu la vitesse à laquelle j'attaque, là? Là, ça devient... là, c'est fun, en fait. Bon, allez, la salle de bal...
C'est par là. Ok, Rav, where are you hiding? Pourquoi il se cache dans la salle où on a battu un boss? Oh, hey! Up here. Comment ça va? Hi. No, don't tell me. Let me guess your name. So, I think a guy like you would be called Rav, right? Non, j'ai pas fait de let's play sur Sunset Overdrive, mais c'est un jeu que j'ai joué sur Xbox. Non, j'ai pas encore amélioré les armes avec des morceaux de zombies, j'ai pas trouvé de plan. I found their workspace, but zombies found me and treed me up like a cat. I need to look at their notes, see if this weapon is something us Bobcats can use. Well, if these weapons can fuck up zombies, I want one too. Let me take care of the ambulance. But you'll need a zombie distraction if you want to work. How about those speakers? Music! Loud music! Yes! Okay, I'm good with tech. I'll make this work. Let me know when you're on your way back. Ok, ça marche. Chercher une ambulance sur le parking de l'hôtel. Alors, il y a moyen... Non, je dois sortir par là, en fait. Il a une jambe? Ok, j'ai cru qu'il avait pas de jambe. Je sais pas pourquoi. On va sortir par ici. Tranquillou. C'est cool parce que, du coup, je connais bien les zones maintenant, tu vois. On les a fait plusieurs fois, donc on commence à les connaître. On n'a pas eu trop de backtracking. Parce que ça aurait pu être un truc qui m'énerve. Hey! Dégage. Alors le parking, est-ce que c'est le parking souterrain qui est là-bas? Chercher une ambulance sur le parking de l'hôtel, parce qu'il y a plein d'ambulances sur le parking de l'hôtel. Ah bah oui, c'est celui-là, ouais. Hey Rav, there's a fat caustic puking zombie lurking by the ambulance. This might take a minute. Got it. I'm in a vent now on my way to the workroom. I powered up the DJ setup by the stage in the ballroom. It's ready when you are. I'm in for a new PB. Caustic puke. It's like they're adapting their weapons to us. I give my second best pair one of them on the dissecting table. C'est bon, il est mort. Les toxines, ça marche très bien. Hein. Surtout quand il est mouillé, il se met littéralement dans l'eau en fait. Ah. Oh, j'ai récupéré un petit Glock. Ok, alors j'aurais besoin de la grenade à eau. Hop. Ah bah il y avait ça, j'ai pas vu derrière. Ok, super, ça marche aussi très bien. Rav? Hey, what'd you find? It's a... j'ai trouvé un... solvent called Caustic X. There's a bill for it with what the actual fuck written on it. The military had barrels of this stuff and were dissolving bodies in the pool. That's surprisingly smart, actually. I was experimenting with acid, but... dissolved my weapon. They went alkaline instead. And I bet they used it a live one. We're going to the DJ setup here. Come drop the beat so I can get at their notes. Only beat these zombies are gonna feel is a beatdown. While they're heading to you, I'll get what I can. Retourner à la salle de bal pour envoyer la musique et faire diversion. D'accord. Alors
Alors du coup je vais... Alors je vais garder la grenade haut pour éventuellement les zombies qui sont... les zombies qui sont recouverts de feu, etc. Mais j'ai pas des nouvelles cartes? Non. Allez, c'est parti, on va lancer la musique. DJ, play my music. Ah, le... Ouch! Le bordel que c'est! C'est super lent cette épée par contre. Oh, j'ai trouvé une nouvelle arme. Alors, c'est une arme bleue. Elle fait 280 de dégâts, contrairement à l'autre qui fait 191. Elle est beaucoup plus jolie aussi. Oh my god. J'ai drop une nouvelle arme, les gars. Oh, c'est une mitraillette. You're a lifesaver. Literally. I found their notes on Caustic X usage. J'ai trouvé une mitraillette. Caustic X works, more or less. But it shouldn't work as fast as they think it does. Up for some fieldwork? Trop bien! Does it involve kicking zombie butt? Loving the attitude. Baller as hell, no cap. And yes, it does. I need you to use that solvent to kill zombies. Okay. You said they filled up the pool? Yes. And I'll observe from the top floor. Well, don't strain yourself lifting your laptop. It's not science unless you write it down. Okay. Well-known fact. Ow. Whatever. Just be ready for my signal. Alors, on va à la piscine. Je me rappelle plus si la piscine c'était par là ou pas. Non. Pas par là, la piscine. La piscine, c'était pas par là. C'était par là. C'était par là. Ouais, la piscine, c'est pas au même endroit, du coup. C'est... Genre, j'ai failli me tromper. On a l'impression de vraiment... Je suis dans un vrai hôtel, les gars. Hein. Genre, je me suis perdu. Waouh, la quantité de bébêtes. I'm ready. Grab, you ready? I am good to go. Begin performing the science. Let's go! By science, you just mean kick him in the pool, right? If you wouldn't mind. Allez, les zombies, là! Traversez! Aïe. Donc j'ai 14 zombies à mettre. Qu'est-ce qu'il fout? Oh boy. Alors tous ces jolis zombies là, ils veulent pas tomber dans la piscine. Oh, il est tombé tout seul. Oh non, j'aime pas cela. Et boum! Let's go! Raté!
Let's go. Ok. Amazing. Incroyable. Alors j'ai ouvert un truc pas loin, il faudrait que j'ouvre, j'aille voir ce que c'est. J'ai ouvert un truc à fusible, c'est là. Ouais, c'est là. Ah oui, il y a du loot partout, les gars. Boison énergisante, hop. Tant pis pour lui. Oh. Wow, je commence à avoir des armes mauves, les gens. Je commence à avoir des armes mauves. Ça va chier. Les armes mauves, en fait, elles sont pas forcément plus puissantes, mais elles ont juste plus de... d'endroits où tu peux mettre des améliorations, en fait. C'est ça la différence. Bon, j'ai pas de balles pour cette arme, par contre. Je suis un peu déçu du fusil à pompe. Je peux pas vous cacher que je pensais que j'aurais pu les one shot en vrai. À cette distance là surtout. En fait j'aurais pu croire que fusil à pompe à bout portant. Alors à distance je veux bien que je rate de temps en temps tu vois. Mais à bout portant j'aurais préféré que ça... Aïe. Que ça déchire en deux quoi. C'est bizarre. You are hell on wheels, you know that? Fucking pleasure to watch. I checked back in with Hannah and everything's cool now. Thanks for your help. It was easy. I'm happy to help you dorks out. Now I know it works, it should be simple to causticify a weapon for maximum melting instead of using acid. Until I do though, here. To oh. The victor, go the toy. Merci. Awesome. Oh, looking forward to seeing what this baby can do. I'll head back to the canals and apply what we found here. We're all in an arms race now, and we have to win it. Si vous voulez un peu de bebop dans votre vie, les popsicles vous arrivent tout droit d'Angleterre. Ok. Il m'a donné un nouveau truc, une nouvelle carte, c'est appuie sur V pour un fort coup au sol, réduit la stabilité des zombies proches. Oh. Oh. Du coup, ça me sert plus à rien celui-là. Le coup volant, sauf que j'ai pas de coup volant pour le coup, je suis double coup de pied. Ah. Yeah! J'ai une bombe caustique maintenant, j'ai les bombes. J'ai une bombe à acide. Donc maintenant, en fait, je peux faire fondre les gens. Oh, la quantité de monde qu'il y a là-bas. Alors. On va essayer de tout. Vous avez vu, hein? Genre, fusil à pompe, j'aurais pu croire que là, elle a pris. Oh! La clé de l'estafette. Ok, j'ai récupéré une clé pour quelque chose, mais je sais pas. Je sais pas c'est pour quel endroit. Je sais pas c'est quoi l'estafette. Mais je crois que j'ai récupéré une clé qui me permet d'accéder à un endroit où je pouvais pas accéder auparavant. Attends, c'est où? C'est par là? La musique est copyright ou pas? Alors ici je vais mettre ça. Ça. Et je vais mettre sans doute le... la hache. Voilà. Je peux crafter des balles il me semble. Des balles de fusil, de pistolet. Bah, ça, c'est trop de soins. De. Yes. Super. Ok. Et. On va se TP. À Bel Air. Non, pas à Bel Air. À Beverly Hills. Non, pas à Beverly Hills. À Venice Beach. On va faire la quête principale. On va terminer le live là-dessus quand même.
Alors je suis désolé de pas vous avoir aidé dans la modération aujourd'hui, les amis. Je voulais me concentrer sur le jeu et pas trop sur les négatifs. I'm sorry. Je vais voir si je peux améliorer et réparer les trucs. Alors du coup, on va voir ce qui se passe avec ce marteau. Alors... Oh ! L'ongle de choc ! Mettre à terre des clans... Ouais, ça, il faudrait trop que j'ai ça, en fait. Dégâts critiques, augmenter les dégâts. J'ai besoin d'adhésif. Je vais en acheter. Je vais en acheter. Alors, lui, il vend quoi ? Lui, il vend des trucs. J'ai combien ? J'ai 20 000. Je vais acheter, déjà, des fusibles. Ok. Adhésif. Est-ce qu'il y a de l'adhésif ? Non. Ah, c'est ça l'adhésif ? Oui, c'est ça. Voilà. On va maintenant retourner ici. F2. Boum. Ah, il m'en manque plein. Je ne peux pas le faire. Augmente la force mais réduit la vitesse d'attaque. Mais vous savez quoi ? Je vais augmenter la vitesse d'attaque. Voilà. Dégâts aux membres. Ouais. Augmente les dégâts coup critique et attaque puissante. Et on va lui mettre... Donus mineur aux dégâts physiques et à la force. Les coups successifs appliquent aussi l'effet traumatisé. Ou alors un truc hémorragique. Ça me fait passer... Ouais, on peut. Un marteau hémorragique. Parce qu'il y a des pics, en fait, d'accord. Logique. Allez, on y va. Marteau hémorragique. On va voir ce que ça fait, hein. Est-ce que c'est un bon marteau ? Oh oui. Oh oui. Allez. C'est bon, il comprend pas la vérité avec ça. Hein. Mes voisins font des travaux un dimanche à 19h30. Ah ouais ? Je me demande si mes voisins font la même chose. Ah ! Ok, bye. Dégage. Wow. Ok. I can see that. Wow, j'ai one shot. Mon dieu, je l'ai annihilé en fait. Les gars, le marteau est OP. Le marteau est juste OP. Il y a un fusible là. Là où? Là. Ok, le marteau est vraiment OP en fait. Elle est immunisée, elle, au marteau. Dégâts hémorragiques, c'est immunisé pour... Ah. Ok, bye. Dégâts hémorragiques, ça le... Ça la met mal direct en fait. Oh ! Oh my god, ma première arme ! Ma première arme ! Mais ça me prend mes balles de... Ça prend mes balles de quoi ça ? Attends, c'est quoi comme balle ? 2, 3... Ok d'accord, 3. Ça prend les balles de fusil mitrailleur en fait. Oh, j'ai un Uzi. Ça va me prendre toutes mes balles.
Ça va me prendre toutes mes balles, c'est horrible. Ça va pas le faire, les gens. Ok, ok, attends. Ok, ok, ok. Voilà la raison pour laquelle je trouve que Dark Dead Island est mieux que Dying Light. Dans Dying Light, ils m'ont retiré mes armes, ok? Moi, j'adore les armes à feu dans un jeu de zombies. Même si les armes de corps à corps sont efficaces, au moins, j'ai des armes à feu, c'est fun, tu vois. Après, on a des très bons voisins. Ouais, alors, on a des très bons voisins, oui, c'est ça, mon cœur. Bon, par contre, les balles, ça part vite, hein. Salut, toi. Oh my god, je suis devenu OP. Mon pouvoir est limité au nombre de balles que j'ai. Et les gars, ouvrez les trucs au fusible, ça vaut le coup. C'est worth everything. Alors, la porte d'entrée est par là, par contre. Donc, du coup, il faut que j'aille à gauche sur la plage. C'est worth everything. Il lit mal. Écoute, j'ai du mal à lire et à tirer sur des zombies en même temps. Je t'avouerai que c'est pas un truc que je maîtrise. Salut à toi, Soun le Goth. Oh, c'est ouvert ici. Hello. Ugh. Creepy. Wow. Okay, quarantine corridor to the lifeguard tower. Ouais, bah là, ça... De ce que je vois, les choses sont très mal passées ici, hein. On va peut-être pas utiliser... Oh non, ça prend pas les mêmes balles. Il a ses propres balles apparemment. Il me reste 32 sur 32, ça fait 60... Oui, il a ses propres balles. Chacun ses balles en fait. Ah, ça c'est cool. J'ai cru que le Uzi allait gaspiller toutes mes balles en fait. Mais en fait, non, ça va. On va rester avec le marteau. J'ai besoin... Crap. Ah. They must have locked the gates down. Bah ouais. Where's the override? Faut suivre les câbles? Non. Et quelqu'un aux toilettes? Non, y'a personne aux toilettes. Y'a peut-être un zombie par là qui a des trucs pour moi, tu vois. En tout cas, ici, il doit avoir des munitions, des armes et tout, non, non? C'est un truc militaire, pourquoi il y aurait pas d'armes? Vous savez ce que j'ai besoin là pour le coup depuis tout à l'heure? J'ai besoin d'un Revelio. Oh, c'est stylé en vrai. C'est super grand. Si c'était Dying Light, en fait, j'aurais pu grimper sur le mur. Hein. C'était vraiment pas haut, pour le coup. Les gars, regardez. On peut juste passer par là. Oh, je peux ramper là. Ah, non, eux, ils peuvent ramper. J'allais dire, moi, je peux ramper, mais en fait, c'est eux qui rampent. Ah! Pardon. Cassez-vous. Voilà. Fatality. Donc non, on peut pas ramper par là. Mais par contre, au son que ça fait, j'ai l'impression que derrière ces murs, il y a quand même un petit peu de zombies. Ouais. C'est le talon de Seros, Caro, je pense. Quel talent? Ouais, là, normalement, ouais, oh. Je peux passer par là, les gars, sérieusement. Moi, je veux qu'en 2024, dans les jeux, quand ils t'offrent un jeu et tout, et ben le jeu, en fait, il a des trucs logiques. C'est-à-dire que si il y a un mur, il est en métal et que tu peux le tordre avec une voiture en fonçant dedans, et ben je veux pouvoir foncer dedans avec une voiture. Je vois pas le problème. Fucking sweet.
retrouver à nouveau pistolet. Alors en termes de dégâts, ce pistolet fait 310, 425. Ici c'est 488. La différence c'est qu'il y a 15 balles dans le chargeur, ici il y en a 8. Dégâts force 11, ici force 26, d'accord. Cadence de tir 370, ici 100. Précision 68, ici 72. Ouais, en fait, oui, mais non, en vrai. Ouais, non, mon, cette arme-là est toujours mieux. Le magnum est toujours mieux. Je vais pouvoir soit le vendre, soit le foutre dans mon coffre. Mais mon coffre est tellement vide et tellement plein, je veux dire que j'aurais même pas le... Aïe. Je vais même pas pouvoir le ranger dedans, en fait. Hein. Ça vaut le coup de fouiller partout, hein. Les développeurs, ils ont dit, tiens, les gens, ils vont passer par là, et ben, vous savez quoi, on va leur mettre des trucs. Et bien, moi, je dis, merci beaucoup, développeurs, d'avoir mis des trucs pour moi qui fouille partout. Très sympa. Putain, c'est tellement... C'est un peu creepy, en fait, d'arriver dans une base comme ça. Où il n'y a rien. Ok, on pouvait rentrer par l'arrière si on voulait. Ok. Cool. Ah non, j'étais pas là moi tout à l'heure. J'étais à ce niveau-là en fait. D'accord. J'étais derrière. One override. But I need a code. J'étais déjà de l'autre côté. Vous êtes sérieux? J'étais de l'autre côté. Je suis rentré ici par derrière. Ouais, ok, d'accord. Je vais pas poser de questions. Le mec était aux toilettes. Il était mort, mais j'ai quand même frappé. On sait jamais. On peut douter, hein. Love what you've done with the place. Damn. So, the officer of the day has the code. A duty roster. But which day was it? The officer of the day should have been Hicks. Okay. Which of these dead dudes looks like a Hicks? Hicks? Come on, Hicks. Where are you? Not you. Not this one. Je dois chercher en fait les plaques d'identification. Je suis sûr qu'il est vivant, Hicks. I'm not here. It has to be somewhere. Nope. Et lui? C'est pas lui. It has to be somewhere. Ah, le nom de porte-bonheur de X. Ah, j'ai passé ma nuit sur les cabines à chiottes. Non. 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 Ne me dis pas que... Ne me dis pas que X... C'est lui ? Ouais, attends. Comment on fait pour revoir le document ? Clé. Arme. Hein. Attends, tab. Objet à collecter. Plan. Oh non, je sais plus comment faire. Je sais pas comment faire pour récupérer. Journaux. Flûte. Flûte. Ah, peut-être de ce côté-là. Toi, X. Non. Faut que je regarde tous les cabines à shot, peut-être. Là aussi, là. Toi, X? Non. Toutes les cabines à chiottes, je vais devoir les chercher. Car on nous a pari le soleil a eu du mal à venir. À Paris, le soleil a eu du mal à venir. J'accepte la pluie, ok. Fin. Il a déjà plu à La Réunion. Bien sûr, il pleut tout le temps à La Réunion, les gens. Pas autant que chez vous, mais il pleut quand même. Oh, j'aurais dû mieux lire le papier. Je sais pas comment faire pour relire le document que j'ai récupéré, putain. Quête. Histoire. Objet trouvé, secondaire. Ah, comment on fait? Inventaire.
clés. C'est que des clés, forcément. Pièces. Consommables. Objets. J'ai plus de clous, ouais, forcément. Du coup, objets à collecter. Encyclopédie. Forme supérieure. Non. Journaux. Room service pour le Major Booker. Ah, peut-être que c'est ça, en fait. Alors, du coup, c'est objet trouvé, mais là, c'était avant. Ça commence, calamité, la vérité. Ok. Alors, du coup, ce serait là, objet trouvé, non. Mais ça, c'était avant. Non, quête. Ah, recherche schéma désespérément. Donc, du coup, ce serait plutôt la quête actuelle. Offensive sur la plage. Et c'est là, ok. Alors, Park m'en replay un gueule parce que le code de confinement est trop compliqué. J'ai oublié, on a dû rebooter tout le système. Park m'en replay un gueule parce que j'ai juste mis la date de naissance. Du coup, là, j'ai le truc parfait pour qu'il me lâche la grappe. Les deux premiers chiffres de ma date de naissance, les deux derniers chiffres de ma plaque. Et au milieu, je colle les deux du milieu de mon nombre porte-bonheur. Et personne ne pourra jamais deviner que mon nombre porte-bonheur, c'est le 2151. Et en parlant de s'en remettre plein la gueule, les rations de Californie, il me reste plus sur le bide. J'ai pas moyen de digérer correctement. J'ai passé ma nuit sur les cabines à chiottes. Ah. F1. Et on dirait bien que je suis parti pour y rester ma journée aussi. Donc techniquement, il est là-dedans, quoi. Bon, que c'est bien ça, en fait. Hein. Il faut bien... I'm not here. On va fouiller les cabines à chiottes de toute la base, je suppose. Ou alors, est-ce que j'ai fait bugger quelque chose? Je ne sais pas. Il a pas vu ce qu'il devait faire. Bah si, je dois te chercher la plaque de X pour ouvrir la porte, parce qu'il a le code. Mais moi, ma première idée, c'était de fouiller les cabines à chiottes, mais comme j'ai fouillé toutes les cabines à chiottes, y a rien dedans. Du coup, c'est ça, en fait, mon problème. Donc là, j'ai recherché le document pour pouvoir le relire. Et effectivement, c'est bien ce que je pensais. Il faut que je trouve les cabines à chiottes. Non, le karaoké de Britney Spears. Hein? Ah, ok, on parle même pas du jeu, là. On parle même plus du jeu, vous. Clé d'une caisse de LT Land. Oh, flûte. Ah! More of the code. J'ai trouvé sa plaque. Retrouver la plaque d'Antoinette pour compléter le code. Ok, c'est ça, en fait. Il fallait que je trouve la photo d'anniversaire. Son anniversaire, c'est ce Excessive Studio le 28, hein. So, still gotta find Hicks. Donc du coup, ah, il fallait juste le faire dans l'ordre, en fait. Ah, il est forcément dans ce truc de toilette, là. J'espère que je l'ai pas tapé sans faire exprès et que ça fait bouger le truc, là. C'est toi, Hicks ? Non. Ah, il est là-dedans. Parce que j'avais pas trouvé la photo d'anniversaire, il voulait pas me laisser fouiller les toilettes. Ah, ça c'est chiant, par contre, j'aime pas quand les jeux font ça. Ah ! Lieutenant X! Ça suffit là! Donne-moi votre plaque! Le code! S'il vous plaît! Le code! Ok, les dog tags. Finally, got the whole code. So that's where you've all been hiding. Y'a plein de zombies qui viennent ou y'a que deux? J'ai l'impression qu'il y a que deux, hein. Il y a beaucoup de vie ou c'est moi? Ah, y'a alors. Let's go! Ah, level 18, c'est pour ça que j'y arrive pas.
Bah je joue comme dans John Wick, ok. Je les tue et après je casse le genou et après je tue. Oh. Hi. I'm Amy. Who's this? This is Warrant Officer Rodriguez. You should turn around, dumbass. That corridor is not secure. Ok. But it's your funeral. Someone's having a bad day. Ouais. Besoin de munitions, moi. Okay. Let's do this. Aïe. Oh, j'adore. La même mission sans le Uzi, je pense que ça aurait été moins drôle. Allez, les munitions, fait plaisir. Allez, fusil à pompe. Hop, on recharge tout ça. Kasai Batsu, merci à toi pour ton Prime. Alors, je sais pas si j'ai dit merci à HelloGame49 tout à l'heure, mais si elle est encore là, merci à toi. Bordel. Oh boy. Allez, boum! Ouais, là, on n'en parle plus. Raté. Oh mon Dieu! Aïe! Est-ce que toutes mes balles vont y passer? Ah! Ok, bye. Raté, j'ai raté. Ok, nickel. Donc, ouais, je pense que toutes mes balles vont y passer, les amis. Ok, attends, j'ai une nouvelle arme maintenant. Nouvelle arme bleue, 296. Elle est mieux. 261, 228, elle est mieux. J'ai une nouvelle arme qui est encore mieux que l'autre, sauf qu'elle a pas de viseur celle-là. La différence c'est ça. Ok, bon on va rester comme ça. J'ai un katana level 18. Oh, il a l'air trop beau lui par contre. Le katana, il est très grand en fait. Il est juste hors level, je peux pas l'utiliser. Oh oui, j'adore.
Parce que là, c'était une arme qui tirait par 3 balles. Celle-là, elle tire en full auto. Et en plus, on a une petite animation de rechargement très sympathique. So defensive, Rodriguez. You hiding something up there? Ouais, ouais, ça tire dans le truc d'acide et ça me vole dessus en fait. C'était un piège vraiment très vicieux, tu vois. Donc elle veut pas que j'avance. Prenez la dégain session du couloir de quarantaine. Non, il devrait pas avoir de zombies ici. Vu que tous les efforts qu'on a fait pour venir jusqu'ici, il devrait pas avoir de zombies ici. Alors, faire. On va recharger ça, non? Ils sont résistants, ouais, ouais. Le perso est quand même badass. Le pire, c'est que c'est une sportive de base, donc on n'a aucune connaissance des armes et meurtres. Ouais, alors. Ça reste un jeu vidéo, du coup. On va dire que de base, même si tu connais rien, c'est comme. Ils disent Ethan ne connaît rien aux armes dans Resident Evil 7, mais en vrai, tu utilises lance-roquette et compagnie, tu vois, pendant tout le jeu. Moi, je pense que tu me mets devant un lance-roquette, je sais même pas comment l'allumer. Oh bordel, j'ai même pas ouvert la porte en plus. Il devait pas avoir de zombies ici. Attendez le bruit là. Ça a l'air très très engageant. Green Zone. Wait a minute. Oh my god! Oh! Wow! Hey! Oh bah ça a l'air sympa ici, dis donc. Le jeu coûte 70€. Ah ok, je peux construire la capacité gâchette à tuer, c'est cool. Oh attends, la mission. Oh, il y a une mission secondaire là-haut. Comment je monte là-haut? Oh, je suis curieux moi. Attends, je vais la faire moi avant. Tant combien de temps il me reste, pas beaucoup de temps, mais je vais la faire. Oh boy. Nothing says go away like a tripwire. Ouais, j'avoue. Il y a des pièges de partout là, vous voulez me tuer ou quoi? C'est pas possible ça. Question c'est, est-ce que si je pète la vitre, je peux passer? Ah non, je peux pas. Pas réaliste du tout, ça. Pas réaliste du tout, hein. Je suis pas d'accord, hein. Ah, carte de la tour de sauvetage. Il me faut une carte. Cousin 93, merci pour ton prime, c'est très gentil, merci énormément. Focus, Ames. Ah. You got lucky no one heard that. Pas fait exprès. Pas besoin de me crier dessus, hein. Déjà mes abonnés me crient dessus déjà de base. Pas besoin que le personnage du jeu me crie dessus aussi. C'est triste quand même. It'd be easy for a squad of soldiers to move around this many traps. Okay, somebody had to have heard that one. Aïe.
Ouais, mon problème c'est que là j'ai balancé de l'eau partout et. Et j'ai électrifié. Ça par contre c'est un système du jeu que j'apprécie énormément parce que ça me fait penser à Prey. Bon, est-ce que je vois un endroit où je peux désactiver l'électricité? Ok, j'ai activé deux fois le truc. Je pensais que c'était fini. Aïe. Eh ben. Eh bon, j'ai réussi. Hello. Oui, ils mettent autant de pièges, par exemple. Flûte. Ah, c'est pas moi, ça. Il y a des plaques de pression et des câbles. Mais ça sert à rien parce que ça a déjà pété, de toute façon. Il y en a un autre là-haut. Ok, c'est bon. Celui-là, c'est déclenché. Ok, il y a un truc là. Hop. Aïe, 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 ça brûle. Ok, c'est bon, j'ai récupéré. Ça sent le traquenard. Ouais, t'as vu ça? Ouais, c'est un peu bizarre. Je préfère Dead Island 2 pour le coup, au niveau du fun, je m'amuse plus sur le jeu pour l'instant. Après, je peux comprendre que certaines personnes préfèrent Dead Island, parce que c'est open world, etc. Mais ouais, moi je préfère ce qu'on propose ici, pour le coup. Ok, hop. Voilà. Bon, alors j'ai réussi à récupérer plein de trucs, mais en soi, j'ai peut-être que c'est ici que je dois récupérer la carte. Mais parce que là, je la vois pas. Oh. Oh. En fait, j'ai les pieds qui brûlent là depuis tout à l'heure. Ah non, mais c'est là en fait, je suis con. Ça, c'est une pièce en plus. Ouais, en fait, ça, c'est une séquence qui fait plus penser à. Comment dire? À Fallout, les jeux de type Bethesda et compagnie, vous voyez? En termes de quête, etc. Je trouve ça sympa en vrai. Avantage vigilance. That's what I'm talking about. Attends, j'ai récupéré quoi? J'ai récupéré un Uzi, mais du coup j'en ai un meilleur. Oh, mon inventaire est plein. Oh, je vais mettre un truc là-dedans. Hop. Oh, chaud. Chaud, 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 chaud. Il faut que je vende des choses. Mon inventaire est trop plein, les amis. Et je peux me TP ici, c'est trop bien. Mais est-ce que j'ai un établi quelque part? Ah, j'ai un établi juste ici, devant moi. Alors, on va arranger ça. Le marteau était génial. Je veux fabriquer des munitions. Ok, super. Ok, balles de pistolet, etc. Bonjour. Non. Je voulais savoir qui vous êtes. Bonjour, vous êtes vivante? Incroyable. You always do the opposite of what you're told. You were so defensive, I wanted to find out why. Stupid. Well, lesson learned. So what's the big secret? Just shut up, okay? Right now, you are sand in my grease. There's two ways this goes. You make yourself useful, or my boot propels your ass back where it came from. Damn. Regardez derrière. Threats don't work. You want help, you need to pay me in swag.
Right. How about some genuine US Army gear? Finest in the world. Or so they tell us. That could work. Then listen up. I got a hole in my defenses. Thuppets keep coming from the pits out back, and contrary to rumor, I'm particular about exposing my... No one likes an unexpected... Contrairement aux rumeurs, je n'aime pas qu'on prenne par derrière. What the fuck? Quelle rumeur, madame? Quelle rumeur? Fire. Burn them all. Yeah, ça c'est une quête. Qu'est-ce que tu vends, toi, madame? Oh, tu vends du sniper? Oh oui, elle vend du sniper! Et un couteau mauve, des forces spéciales. Attends, elle vend des trucs de ouf? Attendez, liquidateur distance. Oui, je veux. Attends, combien d'argent j'ai? 16 000. Oui, je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Ok. Je veux les fusibles. Ok. Hop. Maintenant, madame. Maintenant, madame. Elle vend une grenade flash. Ça sert contre les zombies, ça? Et ça, c'est quoi? Étoile électrique. Ouais, on prend tout, les gars. Oh mon dieu, mais c'est le meilleur marchand. Vous êtes... Genre... Hey, vous... Des gens devaient dire dans les commentaires en mode... Bon, c'est Ross, c'est bon, arrête de... marcher doucement pour faire cette quête, là. C'est chiant et tout, blablabla. Bla, bla. Mais en vrai... Là, tu te rends compte que ça valait le coup, hein. Damn. Le katana, je le garde. Le pompe, le truc électrique, ça c'est la machin, ça je garde. Le pistolet gâchette facile, je le vends. C'est dommage que je puisse pas vendre des trucs dans le coffre sans aller les chercher, tu sais. Parce que là, je vais devoir chercher des choses en bas, les gars. Ouais, ouais, j'imagine. Mais je vais devoir la brûler des trucs pour elle, hein, donc... Je reviens, madame, je vais chercher des choses. J'ai plein de trucs à vendre, je reviens. Je sais pas de quoi vous parler, je suis pas intéressé, merci. Hop, arme verte, arme verte. Ce couteau-là, je garde. Celui-là, je vends. Ok. Final, cette hache, je vends. Le pistolet à coups, je garde. Ce pistolet-là, je vends. Ce Uzi-là, je vends. Celui-là, je garde. La fourche, je vends. Ok. Très facile de se faire l'argent dans le jeu. Hein. Faut pas être attaché au stuff. Faut pas être attaché. Fourche, vendre. Uzi bleu, vendre. Non, celui-là, je garde. Celui-là, je vends. La hache, je vends. Ce couteau-là, je vends. Ok. Le katana, je garde. Le Uzi machin. Le marteau est génial. Le fusil. Ok, lui il vend. Alors qu'est-ce qui se passe? Lui je vends. Ok. Oh, je devrais peut-être vendre cette épée parce que je l'aime pas au fait. Je vends. Parce que j'ai déjà une épée, je vais garder le katana. Ça sert à rien d'avoir plein d'épées en fait. Une épée ça suffit en vrai. Une arme de chaque catégorie ça suffit en fait. Alors du coup c'est bon. On achète. Maintenant j'ai 44 000 dollars. J'ai 44 000 dollars. Je vais acheter. Oh mon dieu, le sniper il est level 18. Hein. Je suis level 17 dans 18 dans pas longtemps en vrai. Le sniper, 14 000. Oh mon dieu, un pistolet qui crache du feu. Pistolet de crémation. Fusil à pompe. Qui fait le même nombre de dégâts que celui que j'ai actuellement. Il est beau, hein. 1019 de dégâts pour le fusil à pompe. Ici. C'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi il y en a un qui est plus... Ah, c'est peut-être parce qu'il a pas les mêmes trucs. Je sais pas, il fait plus de dégâts en tout cas. Ce pistolet-là, fusil de sport. Dégâts, cadence de tir 200. Cadence de tir 50. 400. 589. 400. 589. 400. 589. Ouais, ben en fait, il sert à rien. C'est pas... En plus, ça prend pas les mêmes balles. Bah, je vais prendre celui-là. Alors. Celui-là, il sert à rien, en fait. Je vais prendre celui-là. Le fusil de sport. Et le couteau. Voilà. Pas besoin de prendre plus, au final. Voilà. Alors, du coup, le couteau, on va le mettre à la place de truc électrique. Le fusil de sport. Les deux armes prennent
les mêmes balles. Sauf qu'ici, c'est 589 de dégâts. Donc du coup, celui-là, je vais peut-être... Je vais pas le vendre, celui-là. Je vais le mettre dans le coffre parce que... J'aurais peut-être besoin... Je vais peut-être changer d'avis. Parce que si c'est du coup par coup, je vais moins l'aimer, tu vois. Hop, cette arme-là était plutôt cool. Oups. Voilà, donc du coup, je vais la mettre là. On garde le Uzi, le pistolet au cas où, le fusil à pompe. Et je vais mettre le couteau ici. Et ça, je vais mettre là. Et le katana, on le garde ici. Ok, on peut pas. Parce que comme il n'est pas équipable. Alors, affaire non réclamée. J'ai un épée tactique. Placé dans le stockage. Le reste, je vais laisser ici. Hop. Attends, attends, il fait combien de dégâts? 310. Ah ouais, quand même. Hein. Quand même. Voilà, on va mettre un petit peu des trucs dessus. Alors, sur ce couteau-là, on va mettre dégâts. Et... vitesse d'attaque. Ok. Pour l'épée tactique, on va augmenter les vitesses. Hop, les dégâts aux membres. Et... Augmente la durabilité, mais réduit la vitesse d'attaque. Non. Coup critique et dégâts normaux, non. Augmente les dégâts. Hop. Et ici, je vais le mettre... Dégâts physiques, modérés... C'est pas mal, ça. Voilà, 400. Hop. Alors, du coup, il est plutôt pas mal. Alors, maintenant, pour cette madame, on a une quête, les cendres du jour. Alors, ça fait beaucoup de gestion. Ça fait beaucoup de gestion, en fait, forcément. Préparez-vous à TK Charnier, ralliez-vous à la sortie arrière. Ok, attends, la sortie arrière. Faut que je redescende... Maintenant, je peux sortir par là, donc du coup, c'est cool. Sortir arrière, c'est par là. Ouais, elle m'a donné un pass et tout, c'est trop bien. Hello, tout le monde! Mettez le faux charnier. That is definitely a death pit. That's really going. Damn, boy! Ça va être le... La cata ici ou pas? La musique est cool hein. Donc il y a trois charniers à me foutre en feu. Oh le door est terrible. Attends, cocktail molotov. Je commence à avoir des armes rouges dans tous les sens, c'est juste incroyable. This is basically hell. Oh my god! Oh les gars, ça commence à devenir très fun là avec les armes. Bon, par contre, je prends cher. Ok, bye! Où est le troisième charnier? J'adore comment il y a de la fumée partout, c'est juste dégueulasse. T'as littéralement envie de tousser, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, écoute, on a juste récupéré que des armes de couleur mauve. On est littéralement des dieux maintenant. Le jeu a atteint un autre niveau. Will you burn already, you slime ball? Oh my god. Oh my god, il balance des boules de feu, lui!
Oh my god. Ah ah ah. Wouh. Je sais pas comment j'arrive à faire ça. Comment j'arrive en fait à chaque fois à bloquer mon clavier pour que ça il avance tout seul. Oh là là, c'est juste incroyable. C'est comme ça qu'on termine un live, les amis. C'est comme ça qu'on termine en beauté un live avec plein de zombies brûlés. Est-ce que vous adorez vous aussi l'odeur du zombie au petit matin brûlé? Eh bien, n'hésitez pas à repasser sur les lives de temps en temps parce que ça c'est ce qui arrive à chaque fois, hein, clairement. C'est le moment pour le karaoké, il repleut. Ah, mais parce que le karaoké, c'est genre maintenant? Plutôt avec un karaoké. Non, mais. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites des trucs dans mon dos, là, mesdemoiselles. Vous faites des trucs dans mon dos, mesdemoiselles. Je ne suis pas d'accord. Je fais des munitions. Voilà, on est plutôt cool en termes de craft et tout. Franchement, je pense que la façon dont j'ai joué était la meilleure. Parce que j'ai vraiment fouillé partout. J'ai vraiment récupéré les trucs, etc. Peut-être que j'étais un peu plus lent à récupérer les armes que d'autres youtubeurs, je sais pas. Quite. Mais en tout cas, là, je suis super content. J'arrive ici et j'ai, yeah, je suis en mode sur-fort, quoi. J'adore. J'adore. J'ai payé. Ah, c'est toi qui as payé? They were all soldiers in those pits. No, they were enemy combatants. And that's why you can't fight a conventional war. Science. That's how we get out of this. I already got science on my team. And you should leave before you change sides. No way you're not infected. The virus can't catch me. I'm immune. Immune? I heard they were looking. You might be more useful than I thought. Yeah. Why don't we team up? We could watch each other's backs out there. This horde has to stay contained. I won't be leaving. But here's your paycheck. Woo! Level 18! Ah non, on m'a donné $500. Et un succès, d'accord. Bon, ça marche aussi, ça passe. Merci beaucoup. Du coup, oui, donc les armes. Des nouvelles armes. Elle a une nouvelle meilleure arme. Mais à chaque fois, mais vous êtes sérieux? Mais mademoiselle, vous pouvez pas faire ça? Oh non, je vais être obligé d'acheter celle-là. Elle est encore meilleure. Oh non, regardez ces trucs. Madame, pourquoi vous me faites ça? Oh non. Ouais, faut pas s'attacher aux armes, hein, dans le jeu. Hein. Bon, bah j'achète. Hein. Ok, et je vends l'autre. Ouais, ouais, je peux pas la vendre au prix que j'ai acheté. Hein. Clairement, je me fais avoir. Ah, c'est la mienne. Ok, j'attends. Oui, attendez, non, je m'équipe de mon arme, c'est bon. Je me suis fait avoir comme un bleu, mais c'est pas grave. Si, si. C'est suicide to even try. Oh là là, ça doit boucaner sec là, par contre, là, les zombies morts là-bas. Elle me traite depuis le début, mais sauf que là, elle me dit « Ouais, c'est bon, je peux vous en donner si vous voulez. » Mais regardez-moi le nombre de zombies qui... Oh là là, je peux pas la regarder. Regardez le nombre de zombies qu'il y a, les amis. Merci beaucoup, Romy, c'est gentil. Bon, écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce Let's Play en ma compagnie. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu si vous avez kiffé. On se retrouve bientôt pour la suite des épisodes, si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes, si vous voulez me suivre en live, c'est sur twitch.tv/seros où j'enregistre tous ces jeux dans la bonne humeur et dans la joie, comme vous pouvez plus le voir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Seros, out.